chers amis, m'entendez? Oui, d'accord. Alors, dans nos séances, et celle-ci est donc la deuxième de l'année 2020, il n'est pas d'usage de présenter les intervenants avec leur riche bibliographie. Donc, je vous les présente en ordre alphabétique, tels que vous les connaissez ou reconnaissez, donc Annelise Broyer, Georges Didier Berman, Laurent Génie, Muriel Pic et Martin, que j'ai mis à la fin, je ne sais pas pourquoi. Le livre, parce qu'en fait il va parler au début après moi, le livre qui nous fit d'emblée projeter ce concile est celui de Laurent Génie, La brûlure de l'image, l'imaginaire esthétique à large photographique, Mimesis 2019. Donc à partir et autour duquel l'entretien va se dérouler. Livre historique, me semble-t-il, qui retrace la genèse et l'histoire de la photographie au XIXe siècle, siècle de l'argentique, et déploie l'âge photographique jusqu'à nous, et notamment et nommément jusqu'au travail, comme on dit, travail de Denis Roche, dont on se rappelle l'entrée fracassante, la poésie est inadmissible, et du reste, elle n'existe pas. Alors, engageant, comme dit Laurent, page 134 de son bouquin, une certaine fin de la poésie conçue comme figuration lyrique au profit de pratiques de découpage instantané du monde, je continue la citation, qui se réduisent à leur pure littéralité. Alors la dédicace de Laurent sur mon exemplaire, alors mon exemplaire, inscrit sobrement, l'image en débat. C'est pourquoi je me permets de vous soumettre quelques remarques brèves. Celle-ci d'abord, dans sa généralité banale, à propos des âges de l'image. La signification et le sens de image sont d'une immensité qui défie toute définition et toute bibliographie. Elle est le tout et la partie. Je me contente de faire allusion dans l'océan diachronique à deux époques, on va dire celle d'Averroès, nous sommes au milieu des temps ontothéologiques de la psyché, dont Jean-Baptiste Brenet, dans un livre magnifique, un article qui s'appelle Averroïsme aujourd'hui, condense la pensée, guillemets, l'âme ne pense qu'en tant qu'elle imagine, cette âme pense toujours avec l'image et non pas seulement à partir d'elle. Alors, et la nôtre, époque, je veux dire, époque de la totipotence technologique, Gestell en heideggerien, de l'imagerie numérique qui a réduit l'image à la monosémie de l'image à l'écran et mondialisé le régime de la vie screenisée, de la vraie vie présente, enfin, autrement dit, de la visualisation appareillée de tout étant, de la victoire sur la mort par l'immortalisation en selfie, par les réseaux sociaux du fake, par la traçabilité identitaire. Il faudrait inventer un truc Eden, par exemple, c'est par ADN, ADNique. Hein. Le contrôle au faciès, orwellien d'abord, puis londonien en ce moment, et chinois tout de suite après, de tout humain. Alors, Baudelaire avait raison de s'inquiéter. S'il est ou il était vrai de dire qu'il n'y avait pas d'images, illustrations dans le poème, mais que le poème est dans l'image, dans le schématisme verbal de l'imagination parlante. Si ce qui caractérisait l'image pensée philosophiquement était son équivocité, on va dire son amphibologie, celle que Laurent souligne d'entrée en parlant de son impureté ou hétérogénéité foncière, celle de la représentation, on peut dire autrement dit, changeant de citation, de l'indivision freudienne du couple représentation de mots, représentation de choses, de la parole et de la scène mentale à logique, l'univocité de la nouvelle image, cette image dont nous parlons, précipite la sortie du langage des langues, à quoi Godard fait peut-être allusion dans un titre de film. Brûlure de l'image. C'est une métaphore, un tropologisme. Tout commence par une figure
si on ne sépare pas, comme font les dictionnaires et peut-être la linguistique, un propre ou proprement dit, par exemple c'est celle de la casserole qui brûle d'abord la cuisinière, ou les braises, la main de Monsieur Cévola, tandis qu'une image proprement dite, sage comme une image, ne brûle ni les mains ni les yeux. À moins que le sens propre soit le sens figurant et qu'en effet, la sagesse de l'image soit celle, on va dire, du sophos, sage savant, parlant en langue avant que l'item lexical sépare un propre d'un figuré. Nous ne voyons qu'en figure, ne disait pas saint Paul, qui attendait le face-à-face au-delà. Le schématisme de l'imagination est parlant et bientôt loquace. Alors, pensant à Claude Landman, à qui je vais faire une allusion dans un instant, je disais, l'inimaginable ne peut être imagé par une photographie, la disparition, extermination, annulée par une apparition photo, mais dissible, c'est-à-dire pensée, dans une multiplicité de comparants possibles. Une multiplicité de possibles, on va dire. Au passage, permettez-moi, Laurent, une allusion à ma non-préférence de la photo. Je ne dis pas ma non-préférence. Hein. C'est la poétique qui a ma préférence, pour le dire en chanson avec Julien Clerc. Affaire du déclencheur, si vous voulez, et de l'instantanéité jusqu'à la technologie de lente fixe. Alors, toute photo est vraie, en ceci qu'elle capture pour l'éternité une quadrature du réel. Il n'y a pas de photo ratée. Chacun, même moi, peut en prendre. Le temps est vaincu par l'instantané. Proust proposait une autre reconnaissance, un autre salut. Cependant, on fait dire à une photo ce qu'on veut, comme devant toute chose, le vouloir dire cherche à dire ce qu'elle veut dire. La brûlure de l'image, est-ce le cas ou jamais de rapprocher ce titre de celui de Georges Lippermann, un titre pour les fameuses images malgré tout? J'ai relu ce livre. Et en brève clausule de mon propos à l'instant, je dis avec simplicité mon adhésion et mon admiration à cette longue et acribique et loyale étude. Quelle qu'ait été mon indéfectible amitié avec Claude Landman, 40 années de conversation, de temps moderne, de revision de Shoah, bien sûr, et de tous ces films, la réponse de Georges à la vindicte de Vachman, au discord avec Landman, peut-être qu'il y a la silhouette de Godard dans le fond, comme vous savez, sa réponse au fond à fond est juste. La reproduction des images ne porte pas atteinte à je ne sais quel impardonnable, mais coopère à la mémoire. La Shoah, c'est la chose. Claude Landman abhorrait mosaïquement l'idolâtrie fatale de l'iconodouli et les détournements dont le nom d'Holocauste était le premier parce que grec, qui n'avait rien à voir. Impropre. Or, images malgré tout coopèrent à la vérité. Et maintenant, pas maintenant dans notre position, mais enfin, maintenant, dans une autre époque qui se prépare, c'est une autre et plus dangereuse amnésie qui menace Auschwitz. Alors, Martin, vous nous dites quelque chose maintenant? Ensuite, on se voit dans l'ordre. Laurent parle tout de suite de son livre. Oui, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être fidèles à nos entretiens. En fait, cet entretien d'aujourd'hui est motivé par une actualité plurielle, on peut dire. La première, on l'a déjà évoqué, Michel Deguy l'a déjà évoqué, c'est le livre de Laurent Génie, publié chez Mimesis, La brûlure de l'image, l'imaginaire esthétique à l'âge photographique, qui est en fait le premier volet d'un diptyque, le prochain livre étant de parution en avril, qui s'appellera donc Le désir de voir. Et ce sont deux livres dans lesquels on peut dire que Laurent Génie, le poéticien, le spécialiste de la question du rapport entre poétique et intériorité au 19e et au 20e, atteste d'une espèce de
tournant, de virage vers des questions qu'il avait déjà abordées dans la vie esthétique et le lieu et le moment, c'est-à-dire son rapport aux images. Mais l'actualité de Laurent est simultanée, coïncide aussi avec la publication, et on va en parler aujourd'hui, d'un livre important, hein, qui est le livre d'Anis Broyer, qui est le journal de l'œil, dans lequel, et c'est aussi en partie pour cela qu'elle est ici, a collaboré Muriel Pic, hein, le journal de l'œil, dont Anis va nous parler tout à l'heure. Et puis, la présence de Muriel Pic est due aussi au fait que, non seulement elle a théorisé le rapport entre poésie et image chez des poètes comme Jouve, qui ne pratiquaient pas la photo, en tout cas qui n'en mettaient pas dans le recueil, mais parce qu'elle-même, comme auteur, dans Élégie documentaire, met face à face, insère dans le cours du poème des images qui dialoguent avec le poème. Quant à la présence de Georges Didier-Huberman, Michel Deguy vient de le rappeler, hein, la constance de son anthropologie politique de l'image depuis une trentaine d'années, hein, en faisait pour nous un interlocuteur décisif. Et je le dis d'autant plus que son dernier livre, Nympha de Lorosa, hein, le quatrième volume de cette tétralogie, est un livre dans lequel il est fait une très large place au poème, à la question de la plainte, au rapport de la plainte au poème, et au rapport de ce rapport à l'image. Donc la question poésie et photographie, hein, est une question qui nous unit toutes et tous ici, et je remercie chacune et chacun, nous remercions chacune et chacun d'être ici, mais la parole est d'abord à Laurent Génie, puisque c'est à l'occasion de ton livre, qui a déjà été évoqué, La brûlure de l'image, que nous nous sommes réunis. Merci Michel et Martin pour cette présentation. Plus je regarde les photographies, plus je trouve ça étrange, comme type d'image. Et c'est difficile, par définition, d'expliquer un étonnement. Mais bien sûr, c'est un petit peu ce qui m'a motivé pour écrire ce livre, La brûlure de l'image. Mais je vais passer par un détour plus récent, je vais passer par le propos d'un poète pour essayer de creuser un peu la forme de cet étonnement. Et Jacques Roubaud, il y a 2-3 ans, a publié un livre qui s'appelle « Poétique remarque », qui est un livre très curieux, enfin fait d'aphorismes, qui dessine aussi une poétique. Et dans ces aphorismes, eh bien, il y en a deux qui m'ont frappé, ou plus exactement, trois. Alors, le premier, c'est celui-ci, ils sont toujours très brefs, évidemment. De ce qui n'a jamais été, le poème se souvient, dit Jacques Roubaud. Et l'aphorisme suivant, ils sont tous numérotés, dit « De ce qui n'a jamais été, la photo aussi se souvient ». Alors, évidemment, je trouve fondamentalement intéressant que ce parallèle, en fait, soit entre deux paradoxes, soit établi par un poète. Il faudrait peut-être compléter, bon, c'est des énoncés très énigmatiques, évidemment, peut-être j'y reviendrai tout à l'heure et j'essaierai d'en dire quelque chose de plus et de les comprendre un peu mieux, mais je crois qu'il faut les compléter par un troisième aphorisme, en fait, de Roubaud, pour dégager un petit peu cette idée de ce qu'elle peut porter de paradoxe et de négativité simple. Et Roubaud, dans un de ses aphorismes, dit aussi « Les poèmes sont des moments de being dans la forme poésie ». Et il ne complète pas ce que j'ai envie de compléter. Les photographies sont des moments de being, d'existence, dans la forme photographique. Mais il me semble que c'est plus ou moins impliqué par des parallélismes qu'il fait par ailleurs. Bon, ça c'est juste une entrée en matière. Je voudrais reprendre la question des rapports entre poésie et photographie de façon un peu historique et presque pédagogique, revenir simplement au commencement. Et d'abord pour constater que ça s'est noué
de façon très contradictoire en France et outre-Atlantique au milieu du 19e siècle. Alors, ce qui est très célèbre pour nous, et Michel y a fait allusion, c'est évidemment l'exclusion de la photographie par Baudelaire dans le salon de 1859, qui est une vitupération violente, mais dont je crois qu'il faudrait essayer de la comprendre. Il me semble qu'elle est contemporaine. Bon, d'abord, il faut se souvenir qu'elle est contemporaine de la commercialisation de la photographie, de son arrivée dans l'espace public à travers plusieurs phénomènes. Enfin, il y a l'invention des cartes portraits de Disdéré. Et puis, il y a aussi, ce qui n'est pas négligeable, le fait que se répand la photo pornographique en stéréoscopie. Je vous montre ici un exemple. Baudelaire, il ne fait pas directement allusion, mais indirectement. Il évoque le fait que des spectateurs des stéréoscopes sont penchés sur les lunettes comme sur les lucarnes de l'infini. Il ironise à ce sujet-là. Mais si cette question de la pornographie est importante, c'est que je crois que ce que vise Baudelaire, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler la pornographie de l'image. Ce n'est pas les images pornographiques, mais c'est la pornographie de l'image. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce que veut bannir en fait Baudelaire, c'est une certaine esthétique qui est incarnée de façon superlative par la photographie, mais qui est en fait l'esthétique réaliste académique, qui serait à ses yeux tout aussi pornographique. Cette image apparemment très douce de Paul Delaroche relèverait du pornographique. Alors qu'est-ce que ça veut dire pornographique? Ça veut dire que c'est des images qui veulent tout montrer. Et ça s'oppose évidemment à la conception de l'image que développe Baudelaire, et qui est très proche d'ailleurs de celle de Delacroix, et qui suppose sacrifice des détails. Il ne s'agit pas d'accumuler des détails, mais d'avoir une vision d'ensemble, cohérence, donc unité de conception, et puis ouverture à l'imagination. Et ça, c'est très important. Une image, une véritable image pour Baudelaire, c'est forcément une image qui ouvre à la possibilité de l'imagination. Et d'ailleurs, dans le salon de 1859, le chapitre sur la photographie est directement suivi du chapitre sur l'imagination. Donc toute la question, au fond, pour Baudelaire, le rejet de la photographie, c'est l'idée qu'elle ne discrimine pas, et que donc elle est une sorte de super réalisme académique, que c'est une représentation des détails seulement. Mais c'est un peu caricatural de dire ça. En fait, Baudelaire n'est pas si obtus que ça vis-à-vis de la photographie. On sait que d'une part, il s'est fait photographier de nombreuses fois, mais aussi il y a une lettre bien connue à sa mère dans les années 1860 où Baudelaire écrit à sa mère et lui dit « J'aimerais avoir une photo de toi. » « J'aimerais avoir une photo de toi, mais attention, la plupart des photographes parisiens sont atroces, ils soulignent tous les détails, justement, ils aggravent en fait la laideur de tous les détails. Et si tu veux te faire photographier, alors demande-moi et moi je t'indiquerai un photographe qui saura faire une photo qui a, dit-il, le flou du dessin. Hein, » Le flou du dessin, c'est-à-dire que Baudelaire peut imaginer un type de photographie qui aurait les qualités de l'imagination, précisément. Ce qui est frappant, c'est que outre-Atlantique, au même moment, il y a un rapport tout à fait différent qui s'institue, qui n'est pas un rapport d'exclusion entre poésie et imagination, qui est au contraire un rapport de convergence. Et là, je pense à un recueil de Walt Whitman, qui est évidemment décisif, qui paraît en 1855, Leaves of Grass. Et dans l'exergue de Leaves of Grass, Whitman dit ceci: je suis convaincu qu'il y a aussi dans les choses insignifiantes, les insectes, les gens vulgaires, les esclaves, les nains, les mauvaises herbes, le rebut, beaucoup plus que je ne croyais. En fait, ce que Whitman ouvre, c'est à une poésie qui ne relève plus
d'une poétique des genres, c'est-à-dire que c'est une, la poésie était réglée par les genres et consacrée à certains objets représentables. Il y avait une circonscription du représentable en poésie, et Whitman ouvre ça. On verra tout à l'heure qu'en fait, ce qu'il y a dans son exergue, c'est à peu près le programme de la photographie américaine. Tous les objets, je les montrerai dans un instant, tous les objets qu'il évoque, c'est précisément ça, en fait, que la photographie américaine va représenter. Et un écrivain et photographe américain, Wright Morris, dit à propos de Whitman, il a l'œil photographique, mais il n'a pas d'appareil photo. La question, donc, ce qui vacille en fait avec la photographie, c'est la question des objets qui peuvent être représentés en image. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que autant la classification des objets représentables en image est encore très réglée dans la tradition picturale classique au milieu du 19e siècle, et elle se dérègle complètement avec la photographie. Talbot, l'inventeur du calotype, de la photo papier, fait un livre qui est évidemment décisif parce que c'est le premier album photographique qui existe au monde, qui s'appelle The Pencil of Nature, en 1844. Et ce qui est intéressant dans son album, c'est que c'est un bric-à-brac, en fait, de toutes sortes d'objets qui ont assez peu à voir les uns avec les autres. Ici, vous voyez, c'est un photogramme donc d'une feuille, un essai sur de la dentelle, l'entrée de Queen's College, où il avait fait ses études, un balai devant une porte, une meule de foin, un buste de Patrocle, sa bibliothèque, une rue de Paris. Et de cette photo, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit ce qu'il constate, parce qu'il fait des commentaires à chaque fois sur ces diverses planches. Et de cette photo, il dit il y a une sorte d'équanimité de la photographie qui représente avec le même soin, avec la même exactitude, des pots de cheminée et un buste de Patrocle. C'est-à-dire, elle est indifférente à l'objet. Voilà. Quelque chose craque au niveau des objets représentables en images avec la photographie, et ça a évidemment un rapport aussi avec la poésie. Il va y avoir des allers-retours en fait de cette ouverture aux objets, d'abord chez Whitman, ensuite dans la photographie. Je pense à Stieglitz, qui est un photographe qui a profondément influencé William Carlos Williams, qui a médité sur ses photographies et qui a dit qu'il avait réajusté son esprit en réagissant aux photos de Stieglitz. Donc ça, c'est, je dirais que voilà, les rapports poésie-photographie, ça se noue d'abord autour de la question de l'imagination, hein, et autour de la question des objets. Hein. Mais, bien entendu, ça se noue aussi autour de la question de l'existence verbale des images. Ce qui bascule, me semble-t-il, c'est que toutes les images de la tradition picturale classique, elles sont précédées de textes, qui sont des fables, des récits historiques, des moralités. Il y a un sous-texte, en fait, sous les images. On sait qu'il y a une discipline qui se consacre, l'iconographie, à faire le rapport entre les images et les textes en question. Ce qui se passe, ce qui bascule avec la photographie, c'est que c'est des images qui précèdent, en fait, les propos qu'on va tenir à leur sujet. Là, il y a une sorte de précession faite de l'image. C'est pas du tout qu'elles seront sans mots, parce que bien entendu, il n'y a pas d'image sans mots. Hein. Mais c'est que les mots vont venir après. Et là encore, The Pencil of Nature est vraiment un livre passionnant et étrange, parce que Talbot s'essaye à toutes sortes d'accrochages, je dirais, de mots à ces différentes images. Alors tantôt, il souligne une possibilité technique de la photo, tantôt il raconte un souvenir, tantôt
Il évoque, oui, une circonstance biographique, tantôt des usages possibles de la photo. Il pense déjà à quelque chose qui serait la photocopie, parce qu'il dit, ah oui, ça sera très pratique pour de photographier des pages manuscrites, des choses qui prendraient beaucoup de temps à recopier, etc. Donc, je crois que cette question de l'accrochage verbal, là aussi, la photo l'a fait basculer. C'est pas du tout, bien sûr, qu'il n'y en a pas. Et même, on pourrait dire, là encore, je citerai Wright Morris qui parle de ce rapport entre mots et images, et qui dit en gros que c'est par les mots que, en anglais, picture devient image. Parce que, en fait, il y a évidemment une ambiguïté en français autour du terme image qu'on emploie. Le traducteur a eu beaucoup de mal parce que picture, ça se traduit souvent par image, mais en fait picture renvoie à une fabrication, une texture, tandis que image est du côté de la représentation mentale. Et ce que dit Wright Morris, c'est que c'est évidemment l'escorte verbale, en quelque sorte, des pictures qui les rend, qui fait d'elle des images. J'ajouterais encore que la façon dont se sont noués les rapports entre poésie et photographie, c'est dans des entreprises, des dispositifs assez ambitieux et novateurs, qui consistaient à monter en quelque sorte ensemble des photographies et des textes littéraires, poétiques ou non. Et dans mon livre, j'en donne quatre exemples. Le premier, historiquement, c'est Rodenbach qui a écrit une nouvelle qui s'intitule « Bruges la morte », une nouvelle d'ambiance extrêmement symboliste. Et il se trouve que dans la première édition de ce livre, il y a des illustrations, c'est pas le terme qu'il faut employer, mais qui sont des cartes postales touristiques de Bruges, qui sont montées en quelque sorte avec le récit. Le deuxième exemple que je donne, c'est la Nadja de Breton, bien sûr, parce que là, il y a des photographes qui sont en communauté d'esprit avec le surréalisme, qui vont non pas là encore illustrer, je vais essayer de préciser ce rapport un peu plus tard. Mon troisième exemple, ça c'est Denis Roche, Notre Antéfix, qui est un livre aussi où le projet est à la fois poétique et photographique. Et enfin, Austerlitz, sur lequel Muriel d'ailleurs a travaillé, de Zebad. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces dispositifs ne sont pas des dispositifs d'illustration. Il me semble que ce qu'ils cherchent à chaque fois, c'est à créer une sorte de réactivité réciproque entre les images et les textes, entre les photographies et les textes, c'est-à-dire révéler ce qu'il y a de photographique dans le poème ou dans le texte, et à chaque fois, chaque dispositif révèle quelque chose de différent. Ce qui fait la valeur de ces dispositifs, c'est qu'à chaque fois, il montre quelque chose de différent, et là on retrouve un propos bien connu de Benjamin qui disait la question c'est pas de savoir si l'art est de la photographie mais en quoi l'art est devenu photographique, et on pourrait le dire bien sûr de la littérature, en quoi la littérature est-elle devenue photographique. Alors pour répondre à cette question très rapidement à partir des exemples que j'ai donné, cette réactivité réciproque à propos de Rodenbach, elle touche, il faut avoir lu la nouvelle symboliste, c'est une nouvelle qui joue beaucoup sur les ombres, sur le thème du double, de la revenance aussi, puisque c'est l'histoire d'un veuf qui croit reconnaître sa femme morte dans les rues de Bruges. Et toute l'illustration est choisie à cause de Bruges, ville reflet, ville dédoublée, ville des ombres aussi. Et tout d'un coup, on voit que le thème symboliste rend compte la spectralité de la photographie, parce que ça a été quand même aussi un grand reproche fait à la photographie d'être un univers, de créer un univers de spectre. Dans Nadja, c'est évidemment la dimension du mouvement
littéraire fondé sur l'automatisme, le hasard, la rencontre qui se trouve, non pas redoublée, mais réactivée aussi par certaines photos, pas toutes, surtout celles de Boiffard. J'insiste pas sur les autres exemples, mais je crois que c'est important de comprendre que c'est ça qui fait. Il y a bien sûr des livres qui sont simplement illustrés de photographies et qui ont peu d'intérêt. Les livres, les dispositifs qui sont intéressants, c'est ceux qui créent les rapports, justement, ces rapports de réactivité réciproque. Bon, et je finirai peut-être en revenant au commencement, c'est-à-dire à Roubaud. De ce qui n'a jamais été, la photographie se souvient. En un sens, on peut le comprendre, Roubaud n'est pas le premier à le dire, ou je l'entends un peu comme l'ont dit déjà Proust, Krakauer et Barthes, à savoir, une photo est toujours un contre-souvenir. Et en ce sens, c'est vrai qu'elle est une trace, mais aussi une trace de ce qui n'a pas été, ou de ce qui n'a pas été vécu comme tel. Donc je pense qu'on pourrait le comprendre comme ça, mais j'aimerais prendre aussi le versant positif de ce que dit Roubaud à propos du poème, mais je l'applique aussi à la photographie. La photo, c'est aussi quelque chose, c'est un vécu en image, c'est un vécu spécifique en image. Et je crois que c'est cette contradiction que nous pouvons trouver aussi bien dans les poèmes que dans les photographies, mais peut-être plus exemplairement dans les photographies. Quand j'ai travaillé sur la photographie, j'ai commencé par penser qu'il y avait quelque chose d'absolument singulier dans ce lien entre une trace de réel et une construction visuelle, et dans l'impureté, en fait, de ce montage que sont les photographies, qui sont effectivement des traces de réel, mais qui sont aussi des constructions. Et que c'est ce côté-là qu'il y a de la brûlure. Hein. Ce n'est pas une brûlure absolue non plus, pour moi, en tout cas. Mais je dirais qu'il y a toujours, oui, brûlure, ça veut dire qu'il y a une poussée de réel dans la photographie, et elle existe aussi en poésie, bien sûr. Et quand on voit bouger les objets poétiques, on se rend compte qu'il y a des poussées de réel qui entrent en poésie. Donc il y a de la brûlure, mais il y a aussi, si j'ose dire, une césure qui fait que cette poussée de réel, elle est vécue en image ou en poème. Hein. Et c'est ça leur point commun. C'est vécu, ça ne peut être vécu que dans cette forme-là, que sous la forme image ou que sous la forme poème. Et ça, ce sont des vécus spécifiques. Voilà ce que je voulais dire. Et puisqu'on parle de dispositif, j'aimerais passer la parole à Muriel, puisque précisément, Muriel a inventé, si on peut dire, un dispositif qui est qui est explicite dans son titre, puisque c'est un titre paradoxal. Hein. Le livre s'intitule « Élégie documentaire », ce qui est un entrechoc évidemment de notions, puisque du document on suppose la neutralité, la froideur et la sévérité scientifique, et de l'élégie un rapport soit mélancolique, soit amoureux. Mais ce livre repose lui aussi sur un montage de textes et de poèmes. Et ce que je retiens qui résonnerait peut-être avec quelques éléments de ce que j'ai avancé, c'est dans ta postface, tu dis que ce qui t'intéresse de l'archive, c'est d'essayer de comprendre ce qui n'a pas été vécu dans l'archive. Alors, voilà, je te passe. Alors, je me débrouille avec ça. Oui. Comment vivre ce qui n'a pas. Allô, vous m'entendez, monsieur Tagui? Oui, très bien, vous voulez, c'est pas vous. D'accord. Je crois qu'on avait convenu que je prenais le relais. Comment vivre ce que l'on n'a pas vécu, hein, c'était ça un peu la question. À partir des archives, donc déjà tu as glissé de photographie à archive, donc là c'est la photographie qui est spécifiée comme archive
du coup plutôt comme document, hein, j'ai envie de dire, et pas comme, comme œuvre d'art. Et, alors, donc moi je travaille, c'est vrai, avec des photos, soit une iconographie qu'on appelle vernaculaire, hein, des photographies de famille par exemple, ou alors des photographies d'institutions, ou alors des photographies, là je travaille beaucoup sur des images qui viennent de, qui sont des documentaires de guerre sur le Japon, pour un nouveau recueil, puisque l'armée américaine produisait beaucoup de documentation. Dans les élégies documentaires, je travaille par exemple sur les archives d'un camp de vacances qui a été mis au point par le national-socialisme en 1936, en essayant de, c'était mes notes, elles se sont volées, pour essayer de mimer, disons, singer l'idéologie socialiste avec, puisqu'en 1936, en France, c'est les congés payés, donc on va donner, donc Hitler décide de faire construire des grands camps de vacances pour les travailleurs où ils pourront aller prendre des vacances. Et c'est donc cet immense bâtiment de Prora dont la reconstruction n'a jamais été achevée. Et donc j'ai travaillé avec ces archives-là. Pourquoi j'ai travaillé avec ces archives-là? Et comment on peut écrire des poèmes sur des choses pareilles, qui sont vraiment des choses... Parce qu'à l'envers de ça, il y a évidemment le camp de concentration, le camp de vacances, le travail, les vacances. Voilà, il y a tout un rapport d'idéologie là qui se fait. Oui? C'est bon? Merci. Et j'ai voulu travailler sur ces images parce qu'en fait, elles me parlent de mon présent et de notre futur, enfin, j'aurais dû dire nous tout de suite, bien que ce ne soit pas facile de dire nous de manière générale, mais ça c'est une autre question, parce qu'elles me parlent déjà du tourisme de masse, en fait. Elles m'expliquent déjà, les archives répondent déjà à des questions que je me pose maintenant, comment on est conditionné. Comment il y a une idéologie des vacances qui nous fait fonctionner et les archives m'en parlent. Donc là, il y a quelque chose que j'essaie de mettre en place dans ce qu'on peut appeler un art poétique, disons, d'une mise en contact entre le poème et la photographie documentaire pour qu'effectivement ça brûle, pour que ça nous brûle, pour que ça nous fasse penser à ces questions d'idéologie et voir comment les archives ou certaines photographies, mais je travaille aussi avec des archives textes, peuvent répondre à des questions contemporaines ou futures. Donc c'est ce travail de, pour moi, la brûlure, si je l'apprends à partir de Benjamin, comme tu le fais avec le texte de la petite histoire de la photographie de 1931, d'abord publié dans Literary Shovelt avec des illustrations, puis sans illustrations, enfin, c'est un texte qui a eu toute une destinée. Dans les traductions françaises, il y a seulement André Günther, je crois, qui a donné une traduction avec les illustrations, hein, voilà, qui est assez difficile, qui est, on trouve en ligne, je crois, bon, je ne sais plus, mais qui n'est pas complète. D'ailleurs, j'ai revérifié. Tout comme la destinée, d'ailleurs, de Rodenbach est très intéressante de Bruges-la-Morte, puisque, en fait, comme l'a très bien dit Laurent, il y a d'abord une édition montage, j'ai envie de dire, avec des cartes postales de Bruges, où là on a vraiment le drame de la ressemblance qui est dans l'intrigue du roman, qui se rejoue dans le matériel iconographique et documentaire, qui est aussi le drame de la photographie elle-même. Donc moi je pense que vraiment Bruges-la-Morte, l'héroïne c'est la photographie en personne, en fait. C'est 98 je crois le texte, bref. Et en fait après, 92, et après il y a eu Flammarion, dit bon, en fait ça se vend pas du tout ça, hein, donc on va laisser tomber, et on va mettre en place une autre illustration qui est là vraiment une illustration qui est mimétique du texte avec des dessins, hein, beaucoup plus proche du roman, du roman feuilleton, du roman illustré de l'époque. Et là, le livre perd toute sa puissance de contact, justement, entre poème et photographie. Puisque là, quand je dis poème, j'entends aussi ce qui est écrit en prose. Hein, je ne reste pas seulement sur la versification. Donc, il y a brûlure, je pense, quand poème et photographie se touchent, donc quand il y a contact. En général, quand il y a contact, il se passe toujours quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'en ce moment, il ne faut pas qu'on se touche. Et donc ce contact fait brûlure, mais il fait aussi trouer, il fait trouer plutôt que trou, j'ai envie de dire, trouer entre les temps. C'est-à-dire que là, moi j'ai accès à d'autres subjectivités, à d'autres voix. Je ne peux pas me charger de toutes ces voix, mais c'est là que je perds dans mon lyrisme ma subjectivité, pour récupérer celle de ces autres que je rencontre en fait. De ceux qui sont déjà morts et de ceux qui ne sont pas encore nés, en vérité.
étant donné que je m'adresse à ces deux-là, enfin j'essaye, en même temps que ceux qui sont ici. Et je pense que Baudelaire avait très vu ça très très bien, puisque dans le salon de 1859 ou 69, je sais, 59, je crois qu'il termine en disant « si la photographie touche à quelque chose de notre âme, malheur à nous ». Donc il lui donnait vraiment une puissance de malédiction, donc d'action, enfin il lui prêtait un pouvoir véritable. Et ça, Benjamin, évidemment, travaille avec ça, puisque c'est un exégète de Baudelaire. Et je crois qu'il est que du coup, il faut quand même moduler l'idée que Baudelaire vraiment refusait la photographie, ce que tu fais d'ailleurs très très bien. Il est beaucoup plus ambigu là-dessus. Tout comme Benjamin est beaucoup plus ambigu quand il nous dit qu'il y a eu une perte d'aura avec les arts de la mécanisation. Il n'y a plus d'aura. Assez souvent, c'est la fin de l'aura. En fait, de Benjamin, quelqu'un qui dit c'est la fin de l'aura. En fait, moi, je ne pense pas. Je pense que vraiment, il retrouve une forme d'aura dans la reproductibilité technique et dans le support photographique ou cinématographique. Puisque Benjamin, en fait, il est fasciné, je crois, et c'est ça qui est aussi... il a raison, hein, par le rapport entre technique et magie. Et là, je vais vous raconter une histoire. Je voulais vous parler de ma première élégie jamais écrite, mais je le ferai plus tard, avec un poisson rouge, ma première élégie documentaire. Mais je vais vous raconter une autre histoire que je tiens de Gottfried Keller, un écrivain suisse-allemand, zurichois, et qui m'a été rapporté après par Sebald, parce qu'en fait c'est par Sebald surtout que je travaille sur l'élégie documentaire et le rapport photographie et poésie. Et c'est lui aussi qui m'a fait passer par cette trouée, en fait, hein, par cette brûlure. Enfin, c'est avec lui que je me suis brûlée d'abord. Et cette histoire est la suivante. C'est Henri qui a environ 11 ans et il est parti en vacances chez son oncle et sa tante dans un village à côté de Zurich, où tous les ans il retrouve sa cousine Anna, dont il est éperdument amoureux. Et Anna, on est à la moitié du 19e siècle, donc la période où la photographie est inventée, est, comme beaucoup d'enfants à cette époque, atteinte de tuberculose. Pendant ces vacances-là, Anna va mourir, et la tradition la tradition funèbre veut que dans cette région, on fasse le cercueil d'un seul tenant, déjà, ce qui m'a toujours assez... quand le corps le permet, donc en un seul tronc, hein, on glisse le petit corps de l'enfant, enfin de la jeune fille. Et après, la tradition veut qu'on mette une vitre sur le visage du défunt. Et ils sont en train de construire, donc le récit Gottfried Keller, c'est un récit autobiographique, raconte ça, et ils ont fini le cercueil, et il manque la vitre derrière laquelle on verra encore le regard d'Anna jusqu'à la fin, donc le regard fermé, les yeux fermés, les paupières closes. Et donc Henri dit, mais moi je sais, j'ai vu un verre quelque part à la maison. Il va chercher à la maison un verre qui traîne sur un buffet depuis plusieurs années, qui est un ancien verre dans un cadre derrière lequel il y avait une gravure. Il va à la rivière, il nettoie ça à l'eau claire, hein, la description est très belle, puis après il regarde si elle est bien transparente, bien pure, enfin si le verre est bien propre au soleil, et là il voit apparaître des petits anges musiciens. Et là il y a quelque chose de magique qui se passe, puisqu'évidemment Gottfried Keller nous dit, c'est comme ça que j'ai appris, donc c'est le côté documentaire, qu'une image, quand elle reste longtemps collée sur le verre, elle lui abandonne son reflet à la suite de toutes ces années. Et donc là on est vraiment dans la question de la magie par la précision, l'exactitude du fait technique. Et c'est ça vraiment, je crois, qui la nouvelle aura, j'ai envie de dire, de Benjamin, est ce qui le fascine dans la photographie et le cinéma. Et il faudrait relire le passage sur lequel, en fait, tu fondes ton livre, puisque tu mets ton titre. Ton titre vient de ce passage de Benjamin où il parle de la magie et de la technique. Mais peut-être on pourra le faire plus tard, parce que je pense que j'ai déjà épuisé mon temps. Alors peut-être très rapidement, comme ça aussi le public pourra mieux avoir en mémoire les choses. Donc j'ai le temps, merci messieurs. Alors c'est le passage où Benjamin, alors c'est un passage qui est très très intéressant, parce qu'en fait il fait un montage justement
photographie, poésie, photographie, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Il commence avec la photographie de David Octavius Hill, hein, qui était photographe, mais en fait, il était photographe. En fait, ce n'était pas sa première fonction, il était d'abord peintre. Il faisait des photographies pour peindre à partir de ses photographies. Donc les photographies, en fait, étaient des documents pour lui. Malheureusement, il est resté célèbre comme photographe et pas comme peintre. Donc il commence avec une image qui est une image de la petite pêcheuse de New Haven qui se trouve dans le PowerPoint. Ici, il y a le PowerPoint. Voilà, donc là, bon. Mais j'avais qu'un PowerPoint. Donc ça, c'est l'édition originale de la petite histoire de la photographie, la première page dans la, de 1931. Et donc, vous voyez, ça c'est la première image, c'est la jeune fille, on ne la voit pas très bien, la fameuse pêcheuse de New Haven. Et la voici, donc il parle de cette image, Benjamin, et il nous dit, là il y a quelque chose d'irrémédiablement perdu, mais pour nous le dire, il nous cite, il nous place face à cette image en nous disant, elle a le regard baissé, on ne sait pas où est-ce qu'elle regarde, vers quel temps lointain elle regarde. J'ai plus la citation, si j'ai la citation exacte. Ah voilà, elle est là. Mais la photographie nous confronte à quelque chose de nouveau et de singulier. Dans cette marchande de poissons de New Haven qui baisse les yeux au sol avec une pudeur si nonchalante, si séduisante, il reste quelque chose qui ne se réduit pas au témoignage de l'art de Hill, quelque chose qu'on ne soumettra pas au silence, qui réclame insolemment le nom de celle qui a vécu là, mais aussi de celle qui est encore vraiment là et ne se laissera jamais complètement absorber dans l'art. Point. Et là, directement, il enchaîne sur un poème. Donc on est complètement en plein montage. Il ne nous dit même pas de qui est le poème, hein, puisque c'est la note de l'éditeur qui nous l'indique. Donc c'est un poème de Georg sur ce caractère. C'est une élégie en fait, hein, c'est Standbilder, image fixe. C'est une série d'élégies, c'est la sixième et ça c'est la dernière strophe, le dernier quatrain. Et je demande comment la parure de ses cheveux et de ce regard a-t-elle enveloppé hier les êtres. Comment a-t-elle embrassé cette bouche où le désir absurde comme fumée sans flamme s'enroule ? Donc on est vraiment dans cet irrévocable, hein, ce passé absolu que nous restitue et qui est nécessairement, qui spécifie tout de suite la poésie comme élégiaque, comme chant de deuil. Et là, directement, il nous dit, sans plus de transition, ou bien l'on découvre l'image de Doughton Day, le photographe. Donc c'est lui qui est là, c'est le photographe qui se photographie avec sa femme. Père du poète, donc c'est aussi le père d'un poète, il faudrait aussi les chercher dans cette généalogie. À l'époque de ses fiançailles avec la femme qu'il trouva un jour, peu après la naissance de son sixième enfant, les veines tranchées dans la chambre à coucher de sa maison de Moscou. On la voit ici à côté de lui, on dirait qu'il la soutient, mais son regard à elle est fixé au-delà de lui, comme aspiré vers des lointains funestes. Si l'on s'est plongé assez longtemps dans une telle image, on aperçoit combien, ici aussi, les contraires se touchent. La plus exacte technique peut donner à ces produits une valeur magique, beaucoup plus que celle dont pourrait jouir à nos yeux une image peinte. Mais en même temps, la photographie dévoile dans ce matériel les aspects physiognomoniques, on en reparlera, hein, la physiognomonie c'est l'analyse des expressions, des détails, et aussi un art divinatoire, fin de la parenthèse. Donc les aspects physiognomoniques, les mondes d'images qui habitent les plus petites choses, suffisamment expressives, suffisamment secrets pour avoir trouvé abri dans les rêves éveillés, mais qui, ayant changé d'échelle, devenus énonçables, font désormais clairement apparaître la différence entre technique et magie comme une variation historique. Mais où est la brûlure là-dedans? Elle arrive juste après. Excusez-moi, j'aurais dû couper. La brûlure, elle arrive juste après, mais je ne l'ai pas prise. Il faut que je la cherche là. Merci, Georges. Merci beaucoup. Voilà. Malgré toute la maîtrise du photographe, malgré l'attitude composée de son modèle, donc toujours dans cette pose-là du couple, le spectateur se sent forcé, malgré lui, de chercher dans une telle photo la petite étincelle de hasard d'ici et de maintenant, grâce à laquelle le réel a, pour ainsi dire, brûlé un trou dans l'image. Donc brûler un trou dans l'image, brûler un trou dans la vie du modèle, brûler un trou dans la vie du spectateur et aussi du photographe. Et là, on a vraiment dans cette trouée quelque chose qui permet un passage entre les temps et qui oblige à se demander si le temps photographique est un temps historique ou pas. Hein. Et là, j'aurais tendance à me tourner vers Georges, mais je vais me tourner...
vers Annelise. Parce que tant photographique, tant historique. Tout simplement pour. Et pour me tourner vers Annelise, en fait, on sait que Benjamin et Bataille se fréquentaient hein, à Paris vers 1933. Mais que Benjamin et Bataille n'ont probablement pas du tout la même conception de la brûlure, hein, puisque chez Benjamin, elle est quand même dans une forme de mélancolie, d'élégie. Je ne dis pas que ce n'est pas présent chez Bataille, mais il y a aussi chez Bataille une fureur érotique hein, qui est là, et qui est liée aussi à la question de la tragédie, à partir de Nietzsche. Et Nietzsche, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que ses premiers travaux philologiques inédits en français, 1770, je suis encore allée vérifier pour la séance, il travaille sur l'élégie, en fait, c'est son premier objet philologique, hein, comme philologue, non comme philosophe, hein, et comme objet de la... il retourne à la première définition de l'élégie, mais c'est pas le sujet qui n'est pas amoureuse à ce moment-là, enfin, à l'origine, on pourra en parler plus loin. Et je crois que... dans cette image-là, on a quelque chose d'Annelise Broyer, donc l'image qui a fait que j'ai travaillé, que j'ai accepté de travailler, d'écrire des poèmes pour le journal de l'œil. On a vraiment cette élégie bataillenne, puisqu'on pleure du sperme, hein, là. À la fois une sorte de furie, de jouissance, de brûlure amoureuse. Je sais pas, je te passe la parole. Merci. Moi, je vais aborder le rapport de la... Je prends le lien directement, ça se passe par mon visage. Je vous expliquerai comment, à un moment, c'est aussi un corps qui photographie en entier. Donc moi, on va être plutôt dans un registre de travaux pratiques avec ma présentation, enfin ce que je vais vous dire. Je vais diffuser l'intégralité du déroulé du livre en background, comme ça, en même temps que je parlerai de mon expérience à la fois du texte et de l'image, et comment je fabrique les images. Vous pourrez vous détacher de ce que je dis et vous perdre dans les images, et voilà, ça fera... Moi, c'est plus réconfortant pour moi que vous me perdiez dans les images que vous m'écoutiez. Donc, je vais mettre... présentation diaporama. Voilà. Et donc normalement, ça lance tout seul. Je vérifie juste. Donc moi j'ai une pratique de la photographie qui est un peu singulière parce qu'elle est précisément dans la résistance que j'éprouve à son égard. Je la pratique de façon prudente et même je dirais plus qu'avant même d'être photographe, je suis lectrice avant tout et que c'est l'expérience de la photographie pour moi elle se confond avec celle de la lecture. Comme s'il s'agissait en photographiant... d'avancer dans ma vision comme on avance dans un livre et ça fabrique une sorte d'acuité en état d'hypnose et je dirais même que ce qui a été fondateur c'est, enfin certains livres m'ont appris à voir et pour ainsi dire sans lire je ne vois rien, c'est vraiment dans ce sens là que je pratique la photographie. Si je ne pars pas chargée de textes, de mots dans le monde, à l'extérieur, je ne fabrique pas d'image, je ne vois rien. Donc je vais me concentrer sur la série autour de Bataille pour vous parler de... puisque c'est aussi ce qui nous relie avec Muriel ici, avec Georges, avec Laurent sur l'idée de brûlure. C'est une série que j'ai conduite pendant 10 ans. Elle est charnière pour moi parce qu'elle l'a amené, je pense que j'arrive au bout d'un geste qui prend son ancrage véritablement dans la littérature, dans la fabrique de l'image. Je vais aller ailleurs après cette série parce qu'on n'en sort pas indemne donc, d'un tel travail. Et donc, elle est charnière parce que d'abord, moi j'ai toujours choisi, quand je suis entrée en photographie, je dis entrée parce que c'est vraiment une implication totale que j'ai dans ce geste-là. C'est presque mystique. Donc, je suis entrée en photographie
par le texte, comme je disais. Donc j'ai naturellement choisi le noir et blanc parce que c'était le gris du texte. Et j'avais cette espèce de fantasme qu'on aurait pu lire mes images autant qu'on pouvait les regarder. Mais pour la première fois, avec cette série sur Bataille, il y a eu la nécessité de la couleur. Je n'avais jamais eu besoin, si ce n'est dans un travail que j'avais fait avec Pierre Michon, qui s'appelle Vermillon, où j'avais introduit une teinte, qui était le rouge, une tonalité très précise, qui venait comme ça tacher les grisailles. Mais jusqu'à présent, voilà, j'étais dans ce gris, qui était pour moi aussi celui du roman, de l'écriture, du récit. Et là, la couleur, parce qu'elle devenait comme pour altérer un peu le noir et blanc, comme un bémol pouvait, un bémol ou un dièse vient, enfin abaisse ou élève le niveau de la tonalité de la musique. La couleur, elle vient faire ça sur cette espèce de basse continue qu'est le noir et blanc, que j'avais choisi. Donc en 2009, je me lance dans ce grand travail autour de Bataille. Et donc, chaque image est fabriquée de manière très précise et est un indice par rapport à la vie et l'œuvre de Bataille. Le titre est un mix entre Journal de l'œil, donc c'est Journal de l'œil et les globes oculaires. Donc, Journal de l'œil vient du Journal de regard de Bernard Noël, qui était un livre qui m'a appris aussi à voir. Et Bataille, dans le manuscrit de l'histoire de l'œil, on a les globes oculaires qui sont bifurés, il y a eu une hésitation de sa part, donc je l'ai repris, journal de l'œil, les globes oculaires, parce que j'ai fabriqué une série dont le sujet principal est l'œil, mais l'œil comme expérience, c'est-à-dire qu'il fallait fabriquer un face-à-face à la fois entre celui qui regardera le livre c'est aussi un motif récurrent. Donc, ce qui fait que le lecteur est voyeur, mais est regardé par le livre lui-même. Ça, c'est quelque chose que je voulais dès le départ. Donc, ce n'était pas simple à fabriquer. Ensuite, il y a aussi des récurrences de... Enfin, je me suis attachée à rendre compte de certaines obsessions bataillennes. Évidemment, il y a des formes qui reviennent, il y a des béances, il y a des trouées, il y a des... donc tout ça aussi pour aspirer le spectateur dans une sorte de... disons, d'expérience. Donc cette série, elle procède d'un va-et-vient entre une très grande érudition. J'ai à peu près tout lu, ce qui pouvait être lu sur Bataille, et un désapprentissage au moment de la prise de vue. Donc, je documente beaucoup mon geste par les lectures, ça définit un territoire donc, photographique, c'est-à-dire que je vais dans les lieux, je marche dans les pas de Bataille, des lieux qui sont liés à sa biographie ou à son œuvre, et chaque image que j'ai, je travaille en reconnaissance, parce que chaque image produite dans ces lieux même qui présidèrent soit l'écriture ou liée à effectivement une anecdote de la vie de Bataille, a déjà été lu ou presque mentalement été vu dans le temps de lecture. Donc je travaille en reconnaissance pour ça, je vais chercher des images et la série après elle fonctionne selon un mode arachnéen, tout s'enchaîne, tout se tisse. Et quand je parle d'un désapprentissage, c'est parce qu'au moment de la prise de vue, je tiens, enfin, Duras dit dans Écrire, ça rend sauvage l'écriture. Et c'est précisément sur ce nerf-là que je veux connecter mon geste, c'est sur l'enfance, c'est le geste primitif. Premier, Bataille était attaché à ça quand il parle aussi de... Quand il parle de Lascaux et qu'il témoigne du fait que ce soit des enfants qui découvrent les images et cette importance-là, moi j'ai besoin de ça. C'est donc ce désapprentissage et pour n'être qu'un être sensible en fait, et donc en danger parce que ultra sensible. Et quand je dis que. Moi j'ai toujours été sensible aux auteurs dont l'écriture est exposée, et on parle d'exposition en photographie. Donc c'est comme être à vif, à fleur, et c'est comme si je vous parlais de... je crois que c'est au-delà d'un appareil qui photographie, un appareil mécanique qui enregistre, c'est tout un corps qui est en mouvement,
et c'est tout un corps qui enregistre et qui vit l'image qu'il est en train de capter. Enfin, c'est, je crois être dans mes images à chaque fois. Et donc c'est une manière d'être et de d'incarner un texte en fait, ou une écriture. Donc après, dans les anecdotes, par exemple, c'est cette charge comme ça de ce background que j'ai de lecture liée donc, dans ce cas-là précis à Bataille, ça me permet d'être, quand je suis arrivée à Riomesse-Montagne, par exemple, je suis au lieu-dit Lacaire, il y a la maison paternelle de Bataille. À ce moment-là, il y a un chien borgne, blessé, qui a vraiment un corps, il a été battu, j'apprends quelques temps après dans une discussion qu'il a été battu par le voisinage, et le chien me saute dessus. J'ai une peur bleue des chiens, mais je dois absolument réagir à ce moment-là parce que dans ce corps blessé du chien, je vois le père de Bataille. On est précisément là où le père de Bataille a grandi. Et donc, en plus, il est borne. On sait que le père de Bataille avait été atteint de syphilis, qu'il a été aveugle. Donc, voilà, il faut que je réactive comme ça tout ce que je sais dans un quart de seconde, ce que j'ai pu... tout ce que je peux savoir de la vie et de l'œuvre de Bataille, et voilà, par ce chien, je connecte précisément en donnant du sens après au montage que je peux faire de toutes les images. Un autre exemple, par exemple, il fallait aborder la tauromachie. Photographiquement, c'est très compliqué parce qu'on tombe très vite dans un folklore c'est quelque chose que je voulais éviter. Et donc je me suis souvenue que Bataille avait écrit sur Manège, je suis allée photographier le Matador au Met, au Metropolitan Museum de New York. Et puis en sortant, je prends le métro, j'arrive à Brooklyn, et là, il y avait une affiche qui était tombée. Et évidemment, cette affiche, elle s'est transformée en muletta, parce que je fais le montage direct. Et voilà, quelques temps après, je vais en forêt de Marly. Je voulais un taureau, j'en ai trouvé un plus tard en Tunisie, avec une tête coupée, mais je voulais aussi un taureau forêt de Marly, ce qui est impossible. Simplement, quand on n'est pas très... J'étais pas très loin du lieu de rencontre autour de la Céphale, et je vois une tête de taureau dans un tronc d'arbre, et qui rejoint les sculptures de maçons. Enfin, voilà, c'est vraiment... ce travail de reconnaissance comme ça, et après de montage pour réactiver un rapport, enfin une lecture et une écriture d'un autre que j'essaye de traduire, qui est digéré. Il y avait une image aussi qui est rentrée, parce qu'en fait j'ai travaillé donc avec des auteurs qui ont écrit. Donc il y a Léa Bismuth, Bertrand Schmitt, Mathilde Girard, Yannick Hennel et Muriel Pic qui ont écrit pour ce livre. Et j'ai reçu le texte de Muriel à peu près aux trois quarts de... Tu n'avais pas vu toutes les images. Et aux trois quarts de mon montage, parce que je travaille un peu en tournée-montée, c'est-à-dire que j'ai les associations que je monte et c'est amplifié petit à petit. Ça s'ajoute, disons que ça commence par un épicentre et puis je vais vers les extérieurs. Et je reçois ton texte et il y a une image, en fait j'ai vu une image dans ton texte, et alors ce mot je voulais l'intégrer mais je ne l'avais pas vu, donc c'est le mot revolver. Le revolver, il me faut un revolver. mais comment ? Et donc, peu de temps après, j'allais voir une exposition au musée de la chasse, et il y a eu le revolver avec l'œil dans la crosse de Serena Carone. Et donc, forcément, il est venu... mais si je n'avais pas lu le texte de Muriel, si on n'avait pas eu cet échange, je pense que cette image n'aurait pas été présente. Il y a une dernière image que j'ai voulu, parce que je voulais aussi, comme le bleu du ciel avait été relié à une actualité, évidemment, d'avant-guerre... il y a eu la brûlure, l'incendie de Notre-Dame, et je me suis dit il faut, évidemment ça m'a renvoyé à Notre-Dame de Reims, le père abandonné dans les décombres, enfin
à côté, mais et sur lequel Bataille fonde un peu sa culpabilité, en partie. Et j'ai vu ça et je me suis dit, il faut que je photographie ce désastre. J'ai essayé de me renseigner comment accéder à l'intérieur. Je voulais photographier les restes de l'incendie. Et puis, impossible, parce qu'en plus, c'était surtout, on ne savait pas qui pouvait me donner l'autorisation. Donc, je n'ai pas pu. Et puis, ça m'a renvoyé aussi, après, avec toute cette débauche d'argent, tous les effets de ces réactions économiques, m'ont renvoyé à la part maudite aussi. Donc, je me dis, il faut vraiment qu'elle soit présente. Donc, j'ai pris une feuille, j'ai imprimé une photo de l'AFP, où on voit la flèche brûlée, et que j'ai insérée dans la machine à écrire. Olympia, on revient à Manet aussi, Olympia de Andreas Labarthe, qui est un cinéaste avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a tourné ce merveilleux film sur Bataille, et avec qui j'avais beaucoup échangé sur Bataille. Et donc il était mort peu de temps avant, et j'ai glissé cette Notre-Dame en feu dans la machine à écrire. Et c'est comme ça que j'ai résolu cette présence que je souhaitais absolument, qui a évidemment bousculé tout mon montage, parce que c'était le montage, c'est arrivé une semaine avant j'ai fait cette image une semaine avant l'envoi en fabrication, donc j'ai dû remonter une partie du livre. Voilà, je ne veux pas trop, peut-être que j'ai pas beaucoup de temps pour continuer, mais la grande difficulté de ce projet, c'était peut-être de rendre compte de la puissance et de la complexité d'une écriture. Parce que, évidemment, par essence, je dirais même qu'aborder l'œuvre de Bataille par la photographie, par l'image, ça comportait une impossibilité. Et donc j'ai voulu aussi moi fabriquer jouer des contradictions et des oppositions à l'image de l'univers complexe de Bataille, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le lecteur commence à avoir une sorte, je dis ça dans mon livre, dans l'expérience que je voudrais qu'on ait dans mon livre, commence à avoir une idée de là où je voudrais emmener le spectateur, il y a une bifurcation qui s'opère. Et on va ailleurs. Et c'est pour ça que si on regarde aussi la manière dont est fabriquée l'image, il y a souvent une image. Par exemple, il y a une chouette, elle est représentée vivante, et plus loin, elle est morte. Il y a souvent l'opposition, il y a souvent des images qui sont contraires, et qui affichent une répétition, mais dans la contradiction. J'ai voulu que qu'on reste dans quelque chose d'énigmatique, parce que je n'avais pas de réponse à donner plus que ça. C'est vraiment une expérience. J'ai voulu un livre dans sa forme. Les images vont dans le pli parce que je voulais que le lecteur soit happé, donc on est plus tiré vers le pli du livre. J'ai voulu une reliure tranchée à vif, c'était pas anodin évidemment pour Bataille, donc tout a été conçu comme ça dans une extrême précision, et à la fois on peut s'en détacher totalement et ça devient une série d'images qui fabrique peut-être un récit qui appartient aussi au spectateur, parce qu'on n'a pas besoin, je pense que les Bataillens peuvent s'y retrouver, les légendes sont très précises, les lieux, mais on peut se détacher totalement de ça. Et donc maintenant, je pense, c'est pour ça qu'avec cette série-là, je suis arrivée un peu au bout de ce geste que j'avais de manière un peu récurrente d'expérience de la littérature par le regard. Là, je travaille j'ai un nouveau livre qui va sortir en septembre, mais qui va être prêt pour fin mai pour une exposition. Et qui est plus de l'ordre justement du poème photographique, et qui est plus même musical dans sa construction. Il fait référence à deux livres. En fait, il s'appelle Le chant de la phalène, donc qui est un peu impossible parce qu'une phalène ne chante pas. Mais je l'appelle Oraison. C'était une expérience au domaine de Kerguéhennec. J'étais dans la nature, et donc j'ai relu là-bas
le texte de Georges Didier Lerman, Phalène. Et j'ai lu aussi, relu beaucoup la mort de la Phalène de Virginia Woolf. Et en fait, j'étais face à une nature comme ça que j'ai expérimentée par des marches. J'avais jamais travaillé comme ça, c'était sans préméditation. Je me suis juste promenée et j'ai ressenti le paysage pour la première fois de manière photographique, mais oui, presque. Enfin, sans avoir lu. Donc là, j'ai vu sans lire pour la première fois, je dirais. Et en revanche, ces images-là, aussi parce que j'ai une pratique du dessin qui réactive un petit peu les premières expériences techniques de la photographie, j'ai réactivé ces images par le dessin, mais un peu comme la Phalène est dans une panique au bord de la fenêtre ou au bord de la lumière au moment où elle va mourir, moi dans une peur panique parce que j'ai vu un paysage qui avait changé. Effectivement, il y avait moins de chants d'oiseaux. Mes images reflètent une sorte de mélancolie du paysage et les arbres ploient. Il y a une nature qui est cassée. Comme une panique, j'ai redessiné toutes ces images-là. J'ai redessiné des bouquets fanés. Disons que l'agitation de la Phalène, et c'était ma main et qui est venue et réécrire sur les images pour les réactiver. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Et je vais passer la main à... Merci beaucoup. Alors, j'avais deux, trois notes en venant, mais tout ce qui vient d'être dit m'inspire beaucoup. Et je vous remercie tous. Je vais repartir du tout début. Il a été prononcé le mot de vitupération. Donc, à propos de Baudelaire, mais à propos du numérique, à propos de ce qu'une exposition actuellement au Jeu de Paume appelle le supermarché des images. Alors, je voudrais dire très brièvement, parce que... Oui, ça va ? La vitupération, elle est à la fois totalement nécessaire et très souvent erronée, je dirais. Elle est nécessaire parce qu'elle s'insurge contre une sorte de dominance, de domination d'une certaine valeur d'usage. Donc chez Baudelaire, c'est cette pornographie dont tu as parlé très bien. Chez Benjamin, ce n'est pas une vitupération, c'est un état de fait qui pousse les choses très très loin et même qui se trompe. Parce qu'à l'époque où Benjamin parle, ce qu'on vénère à Turin, le Saint-Suaire de Turin, c'est une diapositive, c'est pas le Saint-Suaire lui-même. Donc on vénère une diapositive, on vénère une photographie. Pourquoi je dis erroné de façon un peu provocatrice ? C'est parce qu'il faut peut-être faire la différence entre s'insurger contre les valeurs d'usage d'un médium et l'existence même de ce médium. C'est-à-dire ne pas se tromper sur l'ontologie même de ce médium, parce qu'une ontologie du médium, ce n'est pas possible. Je veux dire, Barthes a essayé de faire une ontologie de l'image photographique. À mon avis, il a lui-même, dans le cours de son livre, montré que ce n'était pas possible. Donc... Il faut s'intéresser aux valeurs d'usage. Pour revenir juste, puisqu'on a montré des images, et bien sûr, c'est toujours impressionnant de voir la petite pêcheuse en très grand, là, sur l'écran. Ça m'a frappé de la voir, la petite pêcheuse. Quand Benjamin dit que c'est là où Laura trouve son dernier refuge, en fait, il décrit la photo. Parce que qu'est-ce qu'elle a autour de la tête ? Elle a une auréole. L'auréole qui est faite de sa draperie blanche, qui est vraiment très très frappante, si tu veux remontrer l'image. Mais il faut bien dire une chose, c'est qu'à l'époque où Benjamin écrit ça, regarde ça, il y a déjà toute une histoire de la photo spirit,
où en fait on parle de matérialisation des auras. Hein, c'est le docteur notamment Schrenk Notzing qui a fait des photos absolument fabuleuses qui sont à peu près de cette qualité, et au lieu d'avoir une femme avec une aura autour d'elle, elle la vomit, son aura. C'est des photos fabuleuses, je ne sais pas si tu connais ça, mais c'était extraordinaire. Donc elle vomit un ectoplasme, et alors elle est censée donc faire parler les morts. Voilà, c'était ma première remarque, parce que en fait ces draperies spectrales, ce sont des fumées sans flamme, pour reprendre encore les expressions employées. Je vais peut-être être très bref sur puisque Anne-Lise a parlé très bien de sa pratique et de sa relation entre en fait lire, écrire, photographier. Je voudrais faire un petit peu la même chose très rapidement. Alors je ne suis ni photographe ni poète, ok, mais je fais des photos. Je déteste l'expression prendre des photos. C'est comme je déteste l'expression to have sex, prendre. Non, on ne prend pas des photos, on fait des photos. Donc c'est déjà un geste poétique au sens, disons, basique du mot faire. Je fais des photos. Pourquoi je fais des photos? Je me suis intéressé dès ma jeunesse à regarder des photos qui étaient difficilement accessibles. Donc je subtilisais les livres de photos de la Salpêtrière le soir, et je les mettais, j'avais acheté un appareil photo et un banc de reproduction, je photographiais les photos pour ma thèse, et le lendemain matin je ramenais le bouquin à la bibliothèque de la Salpêtrière. Donc je faisais des photos pour essayer de dire quelque chose sur ces photos. Petit à petit, histoire de l'art aidant, je me suis mis à faire des photos avec le même appareil argentique. Je passais du noir et blanc à la diapositive couleur, et puis j'ai fait des dizaines de milliers de photos en Italie sur la couleur, la Renaissance, etc. Je me suis aperçu que alors ça c'est une chose concerne la pratique photographique, mais basique, hein. Encore une fois, je ne suis pas photographe, mais je me suis quand même aperçu que quand on change de cadre, on change de données à voir, donc on change de pensée. Donc il suffisait de baisser le regard d'une fresque de Frangelico et de faire la photo, parce qu'elle n'avait jamais été faite avant, et puis il y avait tout un objet de pensée. D'où la constitution d'une archive. Et puis cette archive n'est évidemment pas suffisante. Avec une archive, il faut toujours mobiliser l'archive, transformer l'archive et faire d'autres objets, par exemple un atlas ou un livre de photos. Petit à petit, je me suis aperçu que cet usage, qui était donc heuristique, puisque ça m'aidait à trouver des choses, est devenu un usage théorique, à ma grande surprise. Donc la photo, le fait de prendre une photo, et une mauvaise photo, je précise, mais ça suffisait, faisait lever un objet théorique. J'ai photographié des phasmes au Muséum d'Histoire Naturelle. J'ai photographié des racines. Ça m'a permis de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'être radical. Récemment, j'étais à Grenade, tout le monde fait des photos à l'Alhambra de Grenade, donc je fais comme tout le monde, bien sûr, mais je m'aperçois que la lumière accroche quelque chose dans les arcatures, et là, je me dis, il y a un objet théorique, à savoir que le cadre a une épaisseur, et que cette épaisseur capte la lumière, et qu'est-ce qu'on peut réfléchir là-dessus. Il y a des objets théoriques sur lesquels je n'ai pas pu faire de photos. Il y en a deux en tout cas, c'est les lucioles. Je n'ai pas réussi à photographier des lucioles, mais j'ai connu une femme photographe qui l'a fait, donc j'ai reproduit dans mon livre sa photo. Et je n'ai pas réussi à photographier un papillon, et c'est Anne-Lise qui m'a permis de montrer dans mon livre un papillon, parce que je ne voulais pas photographier un papillon sur une planche de liège mort, mais en vol. Et elle a réussi à le faire. Voilà. Puis, cet usage est devenu narratif.
C'est ce livre qui s'appelle Écorce, où en fait, je n'avais aucun projet, ni littéraire, ni théorique, ni philosophique, ni historique, ni quoi que ce soit, mais j'avais fait des photos, et le fait de faire des photos a engendré un récit. Puis, d'une certaine façon, dans le tout dernier travail que j'ai fait, qui s'appelle Éparse, c'est très bizarre, je me suis demandé pourquoi, en faisant ces photos qui génèrent un texte, à la fin du livre, j'ai écrit « Inkipit », c'est-à-dire j'ai imité un livre de poésie. Je ne sais pas si c'est, excessif ou pas, mais en tout cas, ça va vers ça. Vous avez parlé de Benjamin, tous, et c'est vraiment une base essentielle, bien sûr. J'ajoute un texte dont il n'a pas été question jusqu'à présent, un texte qui est extrêmement important pour moi. C'est le texte qui est à la fois esthétique, ou disons poétique et politique, le texte de 1934 sur l'auteur comme producteur, où il dit que l'un des enjeux esthétiques fondamentaux et par la même politique, c'est, comme il dit, de façon un peu vague, abattre les barrières entre l'image et le mot. Alors il donne des exemples, et c'est très beau, les exemples sont à la fois surréalistes et, je dirais, communistes, on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est d'un côté, c'est Nadja, c'est Breton et tout ça, mais de l'autre côté, c'est Brecht, et c'est tout ce qui va autour de Brecht. Piscator, ça veut dire, Piscator, c'est le premier qui a créé ce qu'on appelle le théâtre documentaire, avec des documents photographiques à l'intérieur d'une pièce de théâtre, et non par hasard à propos de l'assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, Dublin, Hartfield, Molinage, etc. C'est-à-dire ce rapport que Benjamin a tellement bien décrit dans son texte sur le surréalisme, entre rêve et révolution. La photo est au milieu de ça. La photo est vraiment fondamentalement au milieu de ça. Et tout ce qu'on peut lire aujourd'hui, notamment depuis Sebald, Klug, etc., et à mon avis, est lié à ça. Ce qu'il dit dans ce texte de 1934, moi, m'a bouleversé et m'a donné une sorte de modèle. C'est-à-dire qu'il dit... pour abattre les barrières, la barrière entre le mot et l'image, il faut qu'un photographe soit capable de rédiger, alors le mot allemand c'est Beschriftung, ça a été traduit par légende, enfin rédiger le texte de son image. Ça c'est déjà extraordinaire. Il y a des très grands photographes, notamment des photoreporteurs, comme Stanley Green par exemple, qui écrivent énormément de textes à partir des images qu'ils ont faites. Et c'est une chose magnifique. Mais Benjamin ajoute autre chose. Il dit, et ce sera encore mieux quand nous, les écrivains, nous apprendrons à faire des photos. Non, il ne dit pas ça. Il dit, quand nous nous mettrons à faire de la photographie. Et je pense qu'il faut peut-être prendre cette indication au mot. Voilà. Une autre remarque, brûlure. L'escorte verbale, j'ai beaucoup aimé cette expression. Alors, je rappelle une chose très simple. Y a un moment décisif dans l'histoire de la philosophie, c'est lorsqu'Aristote fait la distinction entre passion et action. Qu'est-ce qu'il fait ? Il calque la distinction passion-action sur les catégories linguistiques du passif et de l'actif. Et quel est son exemple ? Brûler. Je suis brûlé ou je brûle. Ce qui est extrêmement polysémique, parce que lorsqu'il dit « je suis brûlé », ça veut dire on me fait subir une douleur, bien sûr. Ou quand je dis « je brûle », ça veut dire « je fais subir une torture », par exemple. Mais le verbe grec signifie aussi « cautériser », c'est-à-dire c'est un vocabulaire de la médecine.
C'est-à-dire, je te soigne en te brûlant. C'est extrêmement intéressant. Ce qui veut dire que sa distinction passif-actif, elle bouge, et plus l'histoire de la philosophie va de l'avant, plus la distinction du passif et de l'actif, à mon avis, se modifie, chez Nietzsche par exemple. Mais il suffit de l'expression poétique la plus, je ne sais pas comment dire, la plus enfantine. Je brûle de désir, je brûle d'amour. Bon, c'est la poésie la plus naïve. Mais quand je dis je brûle d'amour, c'est actif ou passif? C'est actif et passif. Autre remarque. Vous avez beaucoup parlé, alors tu as évoqué Roubaud, de très très belle phrase de Roubaud. Muriel est dans à la fois cette étude et cette production élégiaque. Et bien sûr, on sait très bien que la photographie, elle concerne non pas ce qui n'a pas été seulement, mais ce qui n'est plus et ce qui ne sera plus. Ça, c'est la magnifique analyse de Barthes, hein, sur il va mourir. Hein. Comment s'entretenir avec une photo, c'est-à-dire comment s'entretenir avec ce qui n'est plus ou avec ce qui ne sera plus. Nous avons là quelque chose qui est fondamental dans ton livre, Laurent, c'est le rapport au deuil, ou chez Muriel, à l'élégie. Je rappelle que le mot imago en latin, c'est d'abord, ça désigne d'abord un objet de deuil et de généalogie. Jean Genet parle de Giacometti en disant « Il offrait ses statues à l'innombrable peuple des morts. » Où il dit « Giacometti un jour a imaginé enterrer une statue, l'enterrer était-ce la proposer aux morts. » Et il en déduit, je vais faire une sorte d'association d'idées, tu me coupes quand c'est trop long. Ça va. Il généralise cette idée à celle des œuvres d'art en général. Les œuvres d'art s'adressent aux morts. C'est un peu différent de l'idée que ce n'est plus, ce n'est un objet de deuil. Mais les œuvres d'art s'adressent aux morts. Il y a un livre très beau de Melina Belcázar Moreno, je ne sais pas si tu le connais, qui est un livre sur la poétique de Jean Genet et qui s'intitule « Travailler pour les morts », qui est publié aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Pourquoi je parle de ce livre d'études littéraires? Parce que cette chercheuse, cette auteure, vient d'écrire un texte que je viens de lire juste récemment, qui s'appelle « Aquí no mueren los muertos ». Ici ne meurent pas les morts. Et c'est une étude sur les usages de la photographie, les usages populaires de la photographie au Mexique. Elle est mexicaine. Alors elle parle en particulier d'un texte que je ne connaissais pas, que je n'ai pas encore lu, mais je vais me précipiter, c'est les cuadernos, les carnets de Juan Rulfo, qui est un auteur extraordinaire mexicain, d'où elle tire cette citation. Nous ne laissons jamais mourir nos morts. C'est ça qu'il dit. Juan Rulfo, c'est quelqu'un dont les parents, je crois en 1923, les parents et je ne sais pas, une vingtaine de personnes de sa famille ont été assassinés. Et donc il a été élevé dans dans une sorte d'hôpital à la Guadalajara. Voilà. C'est quelqu'un qui parle sans arrêt de l'interrègne entre les morts et les vivants. Le roman qui est traduit en français magnifiquement, qui s'appelle Pedro Páramo, c'est vraiment quelque chose entre les morts et les vivants. Ce grand romancier, des centaines de photos. Il y a un corpus photographique extraordinaire que j'avais découvert. Ça a été exposé un petit peu partout. Oui, notamment, il y a une photo d'un cimetière où on sent que les morts sont à fleur de terre.
Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que dans ton livre, Laurent, je suis pleinement avec toi, constamment, sauf sur un point. Donc c'est là que j'ai envie de discuter. Et c'est un point qui concerne le début du livre et la toute fin du livre. C'est vraiment quelque chose de, à la fois de minuscule et je pense de décisif. C'est l'idée du rapport au deuil et du rapport à ce que tu appelles le temps révolu. Le mot révolu qui m'a frappé parce qu'il est, c'est dans la première phrase de ton livre. On a toujours l'idée que le travail du deuil consiste à, comme dit Freud hein, dans son texte, redevenir libre du mort, c'est-à-dire qu'il soit mort pour de bon, c'est-à-dire se séparer véritablement du mort, que le mort soit vraiment, vraiment, vraiment mort, que la perte soit assumée, que l'objet soit vraiment perdu, l'objet d'amour. Si tu regardes le Mexique, c'est pour ça que je parlais de Juan Rulfo, ça se passe absolument pas comme ça. Il y a une autre anthropologie. Une anthropologie qui ne concerne pas le deuil, qui concerne ce qu'on pourrait appeler, parce que c'est à Mexico, en 1856, que Taylor a inventé ce mot, c'est la survivance. C'est à Mexico que Taylor a découvert la notion de survivance, c'est-à-dire sur un marché de Mexico, et c'est tout près du Mexique que Warburg a fondé son concept de survivance. Et c'est au Mexique que les poètes d'avant-garde, ou les artistes d'avant-garde en général, ont cherché une sorte d'inversion des valeurs nietzschéennes. Artaud, Lawrence, Eisenstein. Et voilà, les Mexicains disent « Nous ne laissons jamais mourir nos morts ». Et c'est le cas au Chiapas aujourd'hui. Zapata n'est pas mort. Zapata n'est pas mort, les zapatistes. Voilà. Ce que je veux dire, Laurent, c'est que tout n'est pas perdu. Voilà. Tu parles d'un âge révolu de la photographie argentique. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que révolu, qu'est-ce que ça veut dire, révolu? C'est le début d'une discussion, évidemment. Hein. Pour moi, ce qui est révolu, c'est quelque chose qui a fait un tour, hein, et qui recommence sous un autre régime, qui peut être d'ailleurs qu'on peut nommer la révolte, hein, tu vois, ou la révolution. Ce qui est révolu revient, ce qui est révolu résiste, ce qui est révolu se révolte. Ce qui est révolu n'a pas accompli son cycle, non, il a juste accompli un cycle. Alors juste, je finis en disant que hier, j'étais à l'école de photographie d'Arles, mais je connaissais déjà la machine. Le grand truc maintenant pour les photographes, Anne-Lise nous dira si c'est de revenir à l'argentique. C'est-à-dire qu'il y a deux machines, j'ai noté les noms pour toi, une qui s'appelle Lambda et l'autre qui s'appelle Chromira. C'est des machines, tu entres un fichier numérique, comme tout le monde fait des photos numériques, et ce qui ressort, c'est une photo argentique. Ça sert à deux choses. M'a expliqué le technicien. Il m'a dit, ça va se développer. Tu sais que les films sont tournés en numérique, mais qu'il y a toujours un tirage argentique à Hollywood, hein, parce que le tirage argentique va durer beaucoup plus longtemps. Il y a toujours un film argentique, 35 mm, de tous les films qui sortent de Hollywood. Mais là, je reviens à la machine. Le type m'explique hier, pas plus tard qu'hier, il me dit, mais voilà, ça coûte très très cher d'imprimer les cartouches d'encre des imprimantes numériques. C'est hors de prix. Tandis qu'un... Quand tu révèles une photo, c'est pouf, ça coûte rien. Et deuxièmement, tu as les plus beaux noirs du monde, parce que c'est très difficile d'avoir un très beau noir en numérique. Ça, c'est Anne-Lise qui va peut-être nous expliquer. Et ensuite, ça dure très longtemps. Donc en fait, le numérique n'est pas... l'argentique, je veux dire, dans le domaine de qui est le nôtre, la culture, si Héraclite n'est pas révolu,
L'argentique non plus n'est pas révolu. Tu vois ce que je veux dire? Rien n'est révolu. Au sens de rien, tout revient. Tout revient, tout survit. Évidemment, avec des valeurs sociales différentes. Tout le monde prend des photos numériques, on est bien d'accord aujourd'hui. Hein, mais l'argentique, il est là et il ne va jamais cesser d'exister. C'est ce que je pense. Je crois que j'ai surtout voulu dire que, bien sûr qu'on continue à faire des photos argentiques, qu'on y revient, comme tu dis, mais il me semble que l'ébranlement historique qu'a constitué l'apparition de l'argentique, cet ébranlement, n'agit plus aujourd'hui que comme il l'a fait. Et je crois surtout que la temporalité, tu disais, il n'y a pas d'ontologie des images. Tout de même, ce qui me frappe, enfin, et c'est ce que je dis au début du livre, c'est l'intranquillité des images numériques, c'est-à-dire le fait qu'elles sont destinées surtout à circulation, en fait, qu'elles sont, procèdent d'un flux, si tu veux. C'est l'arrêt d'un flux, et d'un flux qui pourrait toujours se remettre en mouvement. Et pour moi, là, il y a une condition ontologique de l'image numérique qui n'est pas la même que celle de l'argentique. Et c'est dans ce sens-là, si tu veux, parce que je crois qu'on vit quand même à l'âge numérique. Et bien sûr, on peut y faire de l'argentique, on peut s'en souvenir, on peut avoir une mémoire, et comme Héraclite, effectivement, peut être toujours présent. Dans ce sens-là, l'argentique est toujours présent. Mais il me semble que son ébranlement, enfin, ce qu'il a fait à l'image, a eu lieu. Alors on peut dire que c'est un passé composé, c'est-à-dire qu'il continue, si tu veux, d'avoir lieu, mais il est tout de même accompli. C'est tout. Et la temporalité aussi, enfin, c'est sur des choses très simples. Il y a une sorte de temporalité inverse de l'image argentique et de l'image numérique. L'image numérique est déjà là avant que je la prenne, que je la fasse. Elle est déjà là. Il y a une sorte d'inversion temporelle. Alors, il se passe quand même beaucoup de choses, si tu veux, qui font que moi, je ne peux pas les traiter de la même façon. Mais je suis bien d'accord avec toi qu'il y a une survivance des images, une mémoire, un prolongement. Et je pense même que tout ce que tu dis sur l'ontologie de l'argentique, en particulier ce qui se passe au 19e siècle, peut avoir des valeurs d'usage contemporaines avec un médium numérique. On peut faire son deuil avec du numérique, si tu veux, d'une certaine façon. Et ouais, le flux dont tu parles, il est lié plus, à mon avis, à une valeur d'usage qu'à une valeur ontologique. Mais je comprends ce que tu dis sur la temporalité, hein, tu as tout à fait raison. Mais nous, ce qui nous fait vitupérer, ce qui a fait vitupérer Michel tout à l'heure, c'est l'usage qu'on fait de ces images, mais pas les images elles-mêmes. Au milieu de celles-là, il y en a une qui est très précieuse, probablement. Oui, mais enfin, là où je reste un partisan quand même de l'ontologie des images, c'est que certains médiums appellent certains usages aussi. C'est pas un hasard si les modes de circulation, si tu veux, du numérique sont étroitement liés au numérique. Le fait que pour finir ça circule pour tout le monde, que presque pratiquement personne les regarde, mais que ça passe de téléphone en téléphone, et que maintenant y a des applications où ça s'efface, c'est fait pour s'effacer. Tout ceci, tous ces modes de circulation, ils sont quand même appelés par le médium lui-même. Donc c'est vrai que je pense que de même, si tu veux, l'argentique était porteur d'un certain nombre de possibles aussi, d'un certain nombre de mythes dont on a parlé, spectralité, etc. La question du deuil est évidemment liée aussi à celle du noir et blanc, à l'immobilisation des modèles au début de la photographie, etc. etc. Donc, y a quand même des liens, si tu veux, entre la matérialité d'un médium et ses usages. Oui, alors
en écoutant les propos qui viennent de s'échanger, je me disais que peut-être pour conclure, il ne serait pas inutile pour vous, pour nous, de revenir au poème et de se demander qu'est-ce que la photo fait au poème. C'est un des lieux d'interrogation de Laurent dans La brûlure de l'image. Et là-dessus, je voudrais faire deux types de remarques. Le premier, un peu ontologique, on va dire, et le deuxième, un peu historico-géographique. La première remarque de type ontologique, c'est de se demander ce qui a pu, pour des poètes comme Baudelaire, constituer, quelles que soient comme le rappelait Muriel, les atermoiements, les réticences, hein, et disons, notre impossibilité d'assigner un simple rejet de Baudelaire, mais qu'est-ce qui a pu, de Baudelaire à Mallarmé, faire que les poètes ont été inquiétés dans leur œuvre par l'image. Alors je pense que cette question, elle reçoit deux types de réponses, deux régimes de réponses qui ne se superposent pas, qui ne sont pas identifiables, mais qui sont tous les deux extrêmement importants pour nous aujourd'hui. Le premier, c'est que le langage est imageant. D'accord ? Et que lire un poème, c'est, je reprends une formule de Georges, c'est se faire une image. Mais qu'il est certain que l'image que fait naître le langage, hein, ce n'est pas du tout un problème que Baudelaire est le premier à poser, hein, c'est un problème qui vient du sophiste, de Platon, moi, que l'image qui naît du langage est une image qui n'a pas, disons, l'évidence partageable d'une image visuelle, et que ce qui naît dans les plis du langage comme puissance, on pourrait dire peut-être plutôt schématisante qu'imageante, hein, reste une énigme. Quand vous lisez Le balcon de Baudelaire, j'aime bien cet exemple, hein, vous n'avez pas en tête une image d'IKEA, hein, du balcon que vous allez acheter chez IKEA. C'est pas pareil. Et pourtant, c'est bien une image de balcon. Mais cette image, elle a des contours très, très étranges, mobiles en fonction du poème, jusqu'à la fin du poème. Et d'ailleurs, on peut dire que le balcon, c'est là-dessus, hein, puisqu'il se demande s'il a l'art d'évoquer, de faire remonter les images. Et donc ça, je crois que l'évidence que l'image photographique, comme saisie de l'instant, a incarné entre 1850 et 1890, pour des poètes comme Baudelaire et Mallarmé, qui se demandaient comment saisir par le langage des réalités vues comme disparaissantes, ben cet ébranlement était très fort. Et je crois que si on oublie cet ébranlement, on ne comprend pas très bien l'intensité de leur réaction. Et évidemment, c'est le deuxième type de réflexion ontologique qu'il faut nourrir. S'il y a ébranlement, et je crois que cette question elle a été très présente dans les propos d'Anise, mais aussi elle est très active dans le titre et dans le travail même de Muriel, s'il y a ébranlement, et c'est ça qui est très très difficile à comprendre avec le poème, c'est que cette image, c'est du temps. Or, on pense l'image comme spatiale, et je pense qu'on n'a pas tort, mais l'image, c'est du temps. Et il y a quelqu'un qui vient de le dire de manière très, comme il est, très belle et très, très simple, hein, c'est Bailly, dans L'imagement, qui est un livre qui est strictement contemporain de La brûlure de l'image de Laurent, et c'est un hasard si Laurent s'y est penché dans un article qui paraîtra bientôt dans une revue presque aussi bonne que Poésie, c'est Critique. Je dis ça parce que son directeur est là. Voilà ce que dit Bailly dans un passage qui exprime, en fait, comme il le fait, hein, souvent, il laisse très longtemps mûrir ses textes, et donc il arrive à des formulations très limpides. Voilà ce qu'il dit. « Pour être, les images ont dû se retirer de la vie, elles ont dû cesser d'être comme est et comme existe le vivant. Elles existent, mais autrement que le vivant, autrement que ce qui continue de vivre, et ce saut hors du temps, c'est leur violence constitutive. » Et un peu plus loin, il dit « Dans ce qui a
dans ce qui a échappé au temps vivant, quelque chose de la vie a été saisi et nous regarde. Quelque chose de la vie a été saisi et nous regarde. Or, quelle que soit la manière dont chacune et chacun ici est attaché au poème, il est évident que c'est ce que fait le poème. Saisir. C'est ce que dit Roubaud. Oui, saisir dans l'image poétique, ou même dans son refus, je dirais, comme chez les subjectivistes, peut-être encore plus même dans son refus, saisir quelque chose du temps vivant et le destiner au regard du lecteur qui se sent regardé par ce regard-là, c'est le travail du poète, enfin, une des manières de décrire ce travail. Or, il me semble que ces deux régimes, hein, image schématisante, image visuelle et temporalité de l'image, ces deux axes expliquent en partie ce qui a pu être considéré, et je crois qu'aujourd'hui, cette discussion montre qu'on a changé d'époque, le travail d'analyse montre qu'on a changé d'époque, et les documentaires montrent qu'on a changé d'époque, ce qui a pu constituer pendant près d'un siècle une rivalité. Et maintenant, j'en viens à ma deuxième série de remarques, en France. Une rivalité en France. Parce qu'il est très frappant pour les comparatistes que sont tous les amants de la poésie, hein, parce que quand on aime la poésie, on n'aime pas une poésie nationale, hein, on aime la poésie dans ses traductions. Il est très frappant que cette agone, hein, cette compétition, cette rivalité, n'a pas eu lieu en Amérique, mais pas davantage en Italie, par exemple. La poésie italienne n'est pas du tout une poésie qui s'est construite en se demandant entre Dino Campana et Genio di Signoribus, au moment où la photo italienne se développait. Dieu sait que les photographes italiens ont une importance pour l'esthétique du XXe siècle. Et donc, je pense que deux types de remarques émergent de cette observation géographique. D'abord, il faudrait comprendre ce rapport poésie, image photographique en France dans l'histoire. On en a donné quelques étapes. Il y a eu évidemment le moment surréaliste, et ce moment surréaliste, hein, on pourrait dire que la photographie est une compagne, hein, dans l'extension des pouvoirs du poème. Le poème peut absorber même des images qui sont des images triviales, vernaculaires, hein, disait Muriel tout à l'heure, mais aussi des images d'œuvres d'art, des images commandées à des photographes professionnels, à des artistes. Et puis, il y a un moment, et ce moment, à mon avis, il est très important, et je pense que cette conversation, en fait, d'une certaine manière, le clôt, c'est le moment où la poésie, et ce moment a un nom en France, je le fais un peu attendre, mais il a déjà été prononcé, hein, un moment où ça a été ou bien, c'est-à-dire l'image poétique est une image qui a fait son temps, et on pourrait déployer cette formule, elle a fait son temps, elle a déployé toutes ses possibilités de temporalisation, il faut passer un autre rapport à l'image, et l'homme qui a fait ça, il s'appelle Denis Roche. Et Denis Roche passe du dépôt de la poésie au dépôt et technique photographique, et on pourrait, tu lui consacres un chapitre important, on pourrait citer, parce qu'il vient d'être réédité, Moitié de Mélancolie, hein, qui est un livre. Hein, je vous donnerai la parole, non, Michel, sur cette question. Une petite remarque, allez-y. Oui. Allez-y. Voilà. Et on pourrait évoquer que les héritiers de Denis Roche, les plus proches dans le poème, hein, je ne dis pas dans le commentaire, etc., c'est-à-dire Jean-Marie Glaize et ses proches, considèrent aujourd'hui, hein, que c'est. Ou bien, alors ça n'existe jamais ou bien, parce que même dans les recueils les plus radicaux, les plus favorables à la nudité ou à la littéralité de Glaize, où il met des photos, il met des poèmes, hein. Mais ce que je voudrais dire, et ça me permet aussi de situer le rapport de Muriel à la photo, c'est que la tension qu'il y a chez Glaize entre, dans, je sais pas, l'aimant, etc., bon, la tension qu'il y a chez on peut dire ça, un rochiste, un rochien, quelqu'un qui s'inspire de Denis Roche, entre l'image photographique et l'image poétique, ne relève pas du rapport que Muriel crée entre élégie et document dans ses élégies documentaires. Hein, c'est pas, là, il y a une tension, on pourrait dire qu'il y a une dialectique, mais ce n'est pas la même.
Alors, ce qui me frappe, et je finis là-dessus, c'est que je pense que cette phase où c'était ou bien, est une phase qui, d'une certaine manière, est close. Hein, alors, elle n'est pas révolue, je crois à l'histoire des idées, des formes, de la même manière que Georges, hein, c'est-à-dire qu'elle se déplace, hein, elle évolue autrement, etc. Mais disons que cette agone a atteint des sommets, qu'aujourd'hui on passe à autre chose, pour le dire de manière plus triviale. Or, et c'est très frappant, c'est une spécificité française. C'est-à-dire qu'en Italie, par exemple, hein, des poètes aussi, je relisais pour préparer cette séance, je me demandais qu'est-ce que Montale, Sereni, Bertolucci, l'école lombarde, i Nuovissimi, Pasolini, etc. Jamais ils ne se demandent si la photographie menace leur rapport à l'image photographique. Jamais. À l'image peut-être. Jamais. C'est pas au programme. Alors, une autre tradition absolument passionnante à ce sujet, tu l'as évoqué, c'est évidemment la tradition américaine. Parce que si on prend la séquence Pound, Williams, les objectivistes, on a quelqu'un comme Pound qui considère que l'actualité de la poésie, il faut l'appeler imagiste, donc les imagistes, d'accord ? Le rapport des imagistes à la photographie est un rapport qu'on pourrait qualifier de détendu, c'est pas du tout un rapport d'angoisse. Quant à Williams, hein, je relisais son autobiographie, il raconte que il doit à Stieglitz, alors pas Patterson, mais toute la série des premiers poèmes, hein, je relisais les magnifiques poèmes sur les asphodèles, etc. Et c'est pareil chez Stevens, et c'est des poètes qui n'ont pas de problème à dire « mes poèmes sont comme des photographies du présent ». Quant aux objectivistes, alors là, ce sont quand même des poètes qui prennent à la technique photographique le nom même de leur mouvement, et ils ne mettent pas, ou à de très rares exceptions près, mais en tout cas, Open ne le fait pas, et il s'en explique, il ne met pas de photos dans ses livres de poèmes, parce qu'il considère que ses poèmes sont des photographies, il n'a pas à lutter contre elles, hein, il les met là. Je pense que cette spécificité française, elle nous intéresse, elle nous interroge, parce qu'elle dit quelque chose du rapport de la poésie française, hein, à l'imagination en langue. Et qu'est-ce qui fait que cette conviction, hein, a été si forte, ouais. Martin, je voulais ajouter une chose. On entre là-dedans, ouais. Oui, d'accord. Il y a quelque chose d'encore énigmatique de recelé qui se cache du côté de ce que j'appelle la poétique. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Georges tout à coup dit « je ne suis pas poète » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire « je ne suis pas poète » C'est assez étonnant. Alors, je m'accroche pour faire entendre ça sur ce que vous avez effleuré à un moment, c'est-à-dire le balcon. On va dire une chose générale, très très vaste, il faudrait que approfondir. Le balcon n'est pas un objet. C'est-à-dire que le balcon que je vais rapprocher dans l'œuvre de Baudelaire, par exemple, la bordure, et tout semble une séquence de bordure. Donc il y a toute une famille, bordure, la terrasse des princes, la bordure. Et donc le balcon qu'il y a dans le poème, c'est-à-dire dans la poétique d'œuvre, hein, n'est pas quelque chose de photographiable que chacun, en commençant par la linguistique, va afficher comme un référent. Hein. Ce balcon, non, c'est justement ça, c'est une chose. La chose n'est pas un objet. Hein. Et donc le langage profond, faire avec ça. Ce que je veux dire, c'est que là, et c'est pas pour rien non plus que Denis a commencé à ses années de dentiste chez Tenkel par dire la poésie est inadmissible. Du reste, ça n'existe pas. C'est-à-dire faire un geste violent. Pour passer à l'antéficiel de ça. C'est-à-dire, il est dit, il n'y a plus rien de lyrique. Alors la question pourrait être formulée, et qu'est-ce que c'est encore que le lyrique, comment c'est lui-même transformé? Voilà. Bon, alors.
voudrais juste dire quelque chose, c'est par rapport à Jacques Roubaud, en fait, il y a un livre qui pour moi a eu son importance quand j'étais étudiante, et qui est à la fois un journal de deuil, qui parle de photographie, et qui est une poésie pure, donc c'est quelque chose noir, parce que le titre est emprunté à une série de photographies d'Alix Cléo Roubaud, qui était sa compagne, et le livre est un journal de deuil, de la perte de cette femme qui a photographié Roubaud. Il évoque des photographies en poème d'Alix, et pour moi ce livre cristallise aussi beaucoup ce qu'on a pu dire dans une singularité incroyable. Bien, il faut à 6h, quelque chose de noir va se passer, c'est qu'il faut faire un noir dans la salle. Et donc on remercie vraiment très fortement Annelise Broyer, Muriel Pic, Georges Didier Verma.